Play Injustice. Oui, s'il vous plaît, je voudrais jouer l'injustice. Eh oui, il y avait du Jaffa, ça plagie Stargate. Jaffa? Dans quoi? Dans Black Panther? Pas fait gaffe. Oui, voilà. Mais de toute façon, le trailer, c'est insert random film Marvel, quoi. Voilà, avec des effets spéciaux qui deviennent de moins en moins bluffants. Là, tu sens que c'est pas le main event quand même, hein. Les effets spéciaux sont moins. Même en action, le costume, il est pas. Puis les scènes, comme tu disais en Afrique, ça sent le cliché un peu uncanny, un peu gênant des fois. Enfin, ouais, je sais pas, il y a un truc un peu bizarre, ouais. Après, voir ce que ça donne, il paraît que c'est un héros important, je sais pas, dans l'histoire, non, pas. Dans la mythologie. Allez, allez, lance-toi, petit jeu vidéo. Voilà, que je puisse te capturer. Je te capture, hein, ça. Ti-ti. Est-ce que ça vous capture bien? Oui, ça fait bien capture comme il faut bien, tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça dit le son? Pas être assez fort ça. Le truc c'est que les comics il y en a tellement. Oh, t'es rose mais pas la blague. Oui bah c'est le mec encore plus riche que Tony Stark, je sais pas quoi. Peut-être pas assez fort apparemment. Moi j'ai laissé tomber, il y a trop de crossover de machin, hein, de trucs de bidule. Allons l'état cyborg. C'était chiant. Parce que j'aime pas jouer cyborg. Normalement ça nous met direct au combat. Hein. Ça me va. Ouais. Alors, vous me dites pour le son. Ouais, ça a l'air d'aller. Un petit chouïa fort, peut-être. Je vais vous baisser un petit chouïa, peut-être remonter mon microphone. Voilà, comme ça devrait être pas trop mal, mais j'ai comme après dans les dialogues, on n'entend pas grand-chose. Bon, ça va être le random bagarre. Ah oui, il avait chopé un bout du décor, là. Faut que je me remette un peu dans les pattes. Ça, ce jeu, tu fais à peu près n'importe quoi, ça passe en vrai. Je fais des trucs de. Ah, les projectiles s'annulent pas, tiens. Marrant. Ah, il s'énerve un peu. Je sais pas comment j'ai fait par exemple. Avec le vieux quoi. Mais comment il a enchaîné les boulets. Le butiful stringer. Oui, je le prononce très bien. Bon, là, j'ai pas envie de me donner la peine pour lui, mais. Quand on changera de perso. Mais oui, non, mais ouais, c'est. J'avoue que Cyborg, c'est pas. Il a piqué le final à Iron Man, quoi. Dans les Marvel versus Capcom. Voyez, cette position ne me va vraiment pas. Ça c'est le gentil Deathstroke de l'autre monde. Encore un contrat perdu. Celui-là était personnel. Je croyais que rien n'était personnel pour donc toi. Donc il s'affiche, il faut que je change. Ah, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Ok, donc on est toujours dans l'autre monde, hein, l'autre réalité. Alors là, quelqu'un s'y téléporte de mon monde à moi. Où ils reviennent. Non, je sais pas ce qu'ils font, ils se retéléportent, je sais pas où. Je suis perdu. Ça y est, j'ai le contrôle. Guardian Angel, d'accord. C'est un peu trop facile. Quand ton cyborg a voulu pirater mon réseau neural, il a exposé ses protocoles de sécurité. Tu as volé son mot de passe. Je crois que tu commences à me plaire. Mais où tu vas? Le plan était de rester. Ce sera pas long. Et Deathstroke, il a son propre plan. Là, on va peut-être jouer Deathstroke un petit peu. Je sais pas. Il a dit que c'était bien, et moi, ça m'a suffi. Ouais, je me suis demandé, et si ce qui est arrivé à Loïs arrivait à Iris? Au départ, c'était logique. Les méchants avaient ce qu'ils méritaient. Mais là... Un peu, ouais, les heures, j'avoue. Un petit... Superman ne va pas vraiment tuer Batman, c'est un appât. Ils essayent de se convaincre que... Et après, tu as oublié ce qu'il a fait à Green Arrow? Il commence à avoir des doutes, Flash. Le téléporteur ne marche pas. Tu voulais aller quelque part?
Comment tu... Flash, il est gentil, mais il est un peu con. Il est fort, Deathstroke, tu vois, genre, il prévoit tout. Il met des pièges et tout. Dites si c'est trop fort le son. Tu vas perdre, héros. Alors. Comme d'habitude, le petit truc qu'on fait, on regarde un petit peu le nouveau perso. Alors, tir rapide. Ouais, ces tirs sont absolument scandaleux. Mitrailleuse, mitrailleuse ascendante. Ok, tourne lame. En plus, j'avais pas vu la définition du coup, j'avais même pas fait gaffe. Son est nickel. Oui, mais moi j'aime bien. J'aime bien qu'on me le dise plein de fois. Ton son, voilà. Là. Volte lame. Pim pam poum. Ah oui, tiens. Pim pim pim. Pim 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 pim. Et au niveau des combos, qu'est-ce qu'il y a, jeune homme? Ouais, c'est des combos chiants, quoi. Quand il y a 3 gènes. Voilà. Allez, je regarde. Ouais, ce coup là. Ces coups d'épée, mais c'est tellement la vue. Je peux tellement enchaîner. Oh mon dieu, la prise de catch. Enfin, les projectiles dans le jeu, c'est le scandale. Ouais, il fait le gogol là, souvent. Fais-le. Putain, ça y est, il m'en met plein la gueule, le fils de pute, là. Ouais, je sais pas trop comment, mais je l'ai eu. Ouais. Ça paraît ridicule, des armes à feu, quand même. Ouais, c'est pas les meilleurs finishes. Hein. Ah putain, te jette pas dessus. Ah là, par contre. J'ai pas compris ce qu'il a dit, mais. Je fais donc la douleur. C'est très très facile avec des strokes, c'est juste de l'abus. Mais tant mieux, ça évacue les combats un peu chiants. Parce que j'ai pas forcément. Wesh. Deathstroke, ça m'énerve, c'est le genre de perso, genre, il est fort parce qu'on a décidé qu'il serait cool. Il a aucune raison d'être plus fort que Shazam ou Black Adam, enfin, j'ai jamais le reconnaître. Dans le jeu, pour moi, c'est les mêmes, Shazam et Black Adam. Je sais pas si j'étais beaucoup plus loin que ça, moi. Enfin, si j'ai joué Superman. Deathstroke. Ne fais pas ça! Ce n'est pas ce que je fais. Mais comment il peut le. Il est censé être super rapide, Flash, c'est stupide! Y'a le mec derrière, il tapote sur l'ordinateur, tranquille. Ok. Non, parce que là, les deux sont différents, j'ai l'impression, non? Je sais pas, je connais pas très bien les persos. Je sais que c'est quoi, c'est Shazam qui est la force de 5 dieux ou je sais pas quoi, la force de Salomon, le truc d'Hercule, c'est pour ça qu'il s'appelle Shazam d'ailleurs. C'est les initiales de chaque dieu, mais... Enfin, les initiales. Après, Black Adam, je connais pas du tout. Je sais que Rock va jouer Black Adam, voilà. ça s'arrête là, ma connaissance du perso. Oh putain, Flash, ça va te calmer un peu là. Shazam, c'est voilà, il crie Shazam et il se transforme en gros bourrin, mais là dans le jeu, il est toujours en sa forme. Ah, mais je mets une tôle, mais je sais même pas comment, quoi. Je fais n'importe quoi et ça passe. Là, c'est pareil, j'étais insensible au coup, là. Ça rend un gros de comics. Le petit rebondissage du perso quand il se prend trop de coups, là. La finale approche, et tu es aux premières loges. J'aurais préféré avoir un Destro comme ça qu'Will Smith. Qu'est-ce que t'as fait? Le réacteur est foutu. Règle d'or de la guerre. Éliminez le commandement. Ce satellite est la clé du régime de Superman. Bon sang, t'as compromis toute la mission. C'est Superman, ma priorité. Changer les origines tellement de fois. Batman, ici Cyborg. On a la tour de garde, mais on a un problème. Le réacteur va exploser.
Ah, Deadshot, mais je confonds Deadshot et Deathstroke. C'est pas le même. Putain, mais depuis le début, je confonds. Merci, Stranger. Pour moi, c'est les mêmes depuis le début que je joue, en fait. C'est le même perso pour moi, non? C'est pas Deadshot, c'est pas... Non, il y a Redwood aussi. Mais ils se ressemblent tous, ils ont tous des noms qui se ressemblent, désolé. Mais j'y connais pas grand-chose, en plus. Un prototype technologique qui pourrait me permettre de réarmer la kryptonite de Batman. Vous devez me l'apporter. Deathstroke, c'est dans Arrow. Non, Deadshot, ouais. Oh, c'est le genre de même perso en plus, c'est des tueurs qui s'y connaissent en armes, alors pour moi c'était pareil. S'il meurt, elle meurt avec lui. Lex Luthor risquant sa vie pour sauver Batman. J'aimerais y croire. Envoie-moi les corps. Bon, Deathstroke, c'est un peu pareil, on dirait. Hein. Arlene, dis à tes hommes d'être prêts. Occupez les forces. Pour moi, c'est le même perso là que je vois. Hein. C'est oui, le mec qui sait. Je m'en occupe. Oui, Batchef. Puis-je porter vos vêtements au pressing? Nettoyer la Batmobile? Fait que ça améliorait. Ah, ok. Pff, ouais, enfin, c'est random. Il va me tuer. C'est pas de lui que je m'inquiéterai. Mon ange. Allons-y. Ok, les cons. Ah, bah oui, bah fallait pas le libérer, voilà. Je dois pouvoir le réparer, mais ça peut prendre du temps. Une partie du panneau de contrôle était conçue pour fonctionner avec les implants du cyborg. Nous devons essayer, Barry. C'est peut-être leur seule façon de rentrer. Dépêche-toi, Frost. Je suis attendu chez Stryker. J'ai découvert des anomalies. Des déchirures dans le tissu de l'espace-temps. J'ai eu ton message. Viens-en au fait. Je crois que ce sont les endroits où sont arrivés les doubles. Celui-là pourrait être la source du transfert. Ah bon? Potion magique? Ah merde. Je ne sais pas encore. C'est un Gaulois? C'est Astérix? Superman se fiche des hypothèses. Il veut des faits. Pourquoi me déranges-tu avec ça? Envoie les coordonnées à Flash. Il sera le plus rapide pour aller voir sur place. Là, c'est un peu remplissage. Miracle. Mais comment il l'a chopé? Putain, c'est qui? C'est Random Bichette ou quoi? C'est Wonder Woman, tu vois? Quand même. Il a un tir en diagonale. Bim, dans ta gueule. Putain, mais des enchaînements, ça. Il ressemble à ça, oui, non, pas vraiment, mais c'est pour dire. Ah merde! Eh, elle a fait ça comment, elle? Ah merde, j'allais lui faire un truc de. Une attaque du décor. Ah merde, ah oui, ça, c'est pas. Ah, je peux le faire qu'une fois, mais il y a d'autres barils! Y'a d'autres containers là, vas-y. Mais en plus je l'ai touché. Ah merde. Projection. Boum. Dégage. Mais ouais, mais carrément, mais... enfin je connais aucun des deux humains, mais... Moi j'étais persuadé, hein. Bon, ça se death, machin, tu sais, le film je l'ai vu qu'une fois, je connais pas les comics. Hein. J'ai pas trop joué au jeu Batman où il apparaît, je crois. Enfin, je crois qu'il apparaît, non? En même temps, les mecs, ils s'appellent presque pareil. Je vais te rafraîchir. Ah, bim. Ah, vas-y. Fais-toi plaisir, balance-moi un missile. Hop, putain. Allez, comment je me protège de ça, quoi? Que je saute? D'accord, c'est très l'originalité. Merde, je suis pas dans le bon sens, si ça passe. Bon, ça suffit à la tuer, de toute façon. Tireur de litres. Oh, des litres, très bien aimé. Je coup de boule. Super combo attaque. Et ça compte, c'est une projection. Facile. Tes tactiques sont unidimensionnelles. Oui, en effet. Je savais que ton lasso ne te tiendrait pas longtemps. Bah oui, c'est son propre lasso. En loup. Ah là, t'as pas On l'air t'a offert con. Une chance, Deathstroke. Tu aurais dû la saisir. Et perdre une occasion de me battre contre le bouche-trou de Superman. Comment oses-tu? Je suis une Amazone. Le battage de couilles de Deathstroke. Une race surannée aux techniques prévisibles. Essaie de relever le niveau. Surprends-moi. Avec la pauvre Diana, mais c'est vraiment intéressant, Diana. Et du coup, ça m'aurait presque envie pas de voir les films et de lire les comics. Enfin, continue à lire Injustice, tout simplement. Parce qu'elle a une relation un peu particulière avec Superman, parce que bon, ouais, Superman ça reste Lois et tout, et en fait, ouais, elle aimerait bien le pécho, quoi. Tiens, bim, pas le temps de niaiser.
Et voilà comment je la tiens à distance, quoi, c'est trop facile. C'est de l'anti-jeu de fou, quoi. C'est ça le problème dans le jeu, c'est pour arriver à se rapprocher de l'ennemi, c'est très compliqué, quoi. Y a pas de buff entre les tirs, je peux enchaîner. Voilà, attention. Et voilà, là, elle a raté son final. Allez, tu vas morfler, bichette. Sans tomber dans les jeux de Batman. En plus, imagine, j'aurais fait les jeux, j'aurais été complètement paumé. Là, je fais un peu le... Voilà, c'est pour montrer, hein, je fais exprès. Hein. Mais qu'il y a des persos dans le jeu, c'est tellement le non-équilibrage. La Nanamazone, ouais, elle a un peu... Attention, elle est méchante dans celui-là, je trouve. C'est elle qui convainc Superman un peu de... Sans elle, je crois que Batman aurait réussi à calmer Superman avec le temps. Cyborg, je l'ai. Dans le comic, c'est ce que l'impression que ça donne, mais... Bien reçu. J'espère que ça vaut le coup. C'est pour ça que c'est bien le comic, c'est pas que Batman, Superman qui pète les plombs, c'est tous les gens autour qui profitent un peu de ça. Position. Lancez l'assaut. Ah, je rejoue Batman, d'accord. Allez, on va libérer l'autre Batman. Le nôtre, le vrai, enfin celui du monde qu'on connaît, quoi. Les visages étaient pas mal déjà, quand même. Enfin, certains, je trouve Superman il est raté. Hein. Gros joue. Aquaman, le gentil Aquaman qui débarque avec ses troupes. On dirait des bestioles dans Morrowind. Il attaque avec des tics de transport. J'attaque avec mes acariens de combat. Ils sont là. Sans blague. Alors ça, je l'ai déjà vu. Je regarde quand même d'un petit œil. Je suis en train de peut-être finaliser une vente, voyez-vous. Car oui, je vends des choses. Je suis un businessman, ça, sachez-le. Bonjour, Bruce. Tu es toujours aussi bel homme. Arrête, Selina. Je regrette, Bruce. Alors, ouais, c'est les deux Bruce. Pour te protéger. Voilà. Il m'a dit que si je l'aidais à te trouver, il m'épargnerait. C'est le 1, ça. Hein. C'est le premier injustice, celui-là. J'ai gagné du temps. J'ai fait diversion. Maigre consommation. Salut. Tu veux dire dans mon précédent vidéo à moi ou... Bon sang, Bruce. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai... Ah oui, non, t'as cru. Pourtant, je l'ai précisé. J'ai bien mis le nom du jeu. Non, c'est le 1, j'ai pas le 2 encore. Bah, je veux faire le 1 avant. Et je sais pas si je peux faire tourner le 2. Je suis pas certain. Salaud. Bon, bref, bah, j'ai une mission à finir. Tout comme moi. Ouais, je sais plus. Ah, ben, ça a commencé à se vénère un peu. Putain. Lol, tape dans le droit. Ok. Eh, normalement, j'étais en contre là. Attends, je suis pas prêt, quoi. Faut que je reprenne un peu en main mon petit Batman. Eh, Grodd, ouais. Je sais pas trop ce qu'il lui faut, un Grodd. Mais en fait, ça jouait presque tout seul depuis tout à l'heure. Je regardais Grodd et j'étais en train. Putain. Moi aussi, petit Némé. C'est parti de ces persos un peu nuls que je connaissais pas. Parce que Grodd, excuse. Merde. Là, je suis. Ah la vache. On l'a bien mis dans ma gueule. Putain, puis je me trompe de truc, bébé. On a assez. Alors là, c'est Metropolis Dark, là où. Où Superman a pété les plombs. Bah, c'est Arkham, non? Il est dans quelle prison? Je sais plus. Non, il est pas dans Arkham, je sais même plus où il est là. Si, c'est Arkham, je crois. Hop, il fait venir sa petite Batmobile, bien sûr. Ne sortez jamais sans elle. Alors, là, je vais perdre, mais c'est pour là. Mais là c'est abusé, normalement c'est mon truc où je suis protégé. Putain, son coup de feu aussi qui est instantané là. Ouais.
On va mettre un petit peu dans les combos. C'est de coups combo. Alors, qu'est-ce qu'il y a? XXA, XXY. Ok, on va un petit peu quand même. Non. À penser que la différence entre Metropolis, il fait jamais Gotham, jamais joué. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup de joueurs. Merde, j'ai raté. Ouais, il a fait un espèce de truc chelou, j'ai fait sortir ma cape. Ouais, c'est bizarre. Ah merde, ça bug. Gros problème avec les manettes 360 qui ont tendance. Non, putain. Ouais, là, pour me tataner, tu sens que c'est encore gentil. Merde, ma jauge est pas pleine, bordel. Non, 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 Batman. Si, ça passe. Bon, ça va. Des fois, je comprends pas trop à quel moment ça touche les finishes, quoi. Pas fini encore. Merde. Ouais, là c'est fini. Alors Batman il est pas mal. Il est plutôt badass. Tu as choisi le mauvais camp, Selina. Ah bah oui, mais c'est ça, c'est les comics. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Il t'a recueilli, entraîné. Dick. Beat Grayson. Lol. C'est vrai qu'il peut être pénible, mais de là à le trahir pour Superman. Je ne suis pas Dick Grayson. C'est Damian Wayne. Ah, c'est Wayne. Damian. Ah merde. Son fils. Ah, c'est Damian, mais il est pas censé être vachement plus jeune. Moi, tu ne l'as jamais été. Tu as cessé d'être mon fils quand tu as tué Dick Grayson. Il était mon fils. Ah merde, il a tué Dick. Ah mais oui, c'est vrai. Alors, dans le comics, Damian, il est vachement plus jeune que Nightwing. S'il est habillé en tenue de Robin et il est vachement plus jeune et il tue par accident. Parce qu'il déjà il voulait se rallier à la vie de Superman, hein. Et il le tue par accident dans une bagarre, il lui fait tomber, il lui casse le cou. Et oui, effectivement, Batman est plus triste que son fils adoptif, donc Dick Grayson meurt. Enfin voilà, c'est vrai qu'il a jamais vraiment trop. Et donc après il a repris le costume, d'accord. Ah merde. Un plus vieux Batman. Un plus vieux, c'est-à-dire qui c'est qui est plus vieux Batman? Bah logiquement ils ont plus ou moins tous le même âge, hein. Vu que c'est des univers parallèles, niveau temporel c'est pareil, hein. Enfin il me semble, hein. Enfin, dans ce que j'ai lu moi, le premier tome du comics, tu vois que, enfin tu vois Damian, il est petit, quoi. Enfin petit, un ado, quoi, genre 13 ans, 13, 14 ans je crois, un truc comme ça. Et lui c'est la vingtaine, Grayson. Nightwing. Mais c'est vrai qu'il lui ressemble un peu beaucoup, c'est un peu bizarre, quoi. Que le fils adoptif ressemble. Je suis plus jeune et plus rapide. Tu n'es pas moi. Lol. Je suis Batman. Ah. Allez hop. Après, il y a peut-être des petites digressions entre le jeu et le comics, hein. Puis je mélange un peu. Mort pour moi. Et sans pitié, Batman, c'est le best dad, quoi. Wayne. Allons-nous-en. C'est TG Green Arrow. Tu pues Green Arrow. Ah mon dieu, les Acariens, vite. Oui, ils se sont fait chier quand même. Ah, Superman, il a niqué des nerfs. On peut jouer aussi. Donc on est bien d'accord qu'elle vole, Wonder Woman. Parce que dans le film, apparemment, j'ai vu JDG en parler et tout, ils savent pas trop si elle vole ou pas.
Ça, c'est le Bruce de cet univers. L'épidoptère, tout à fait. Alors, c'est toi la cause de toute cette agitation. Je pourrais en dire autant de toi. Bon. Oh. Ça, c'est intéressant. Je trouve deux Batman dans la même pièce, c'est le bordel. Oh, je peux rien faire. La prochaine pourrait faire mouche. Oui, ça se passe sur plusieurs années. Moi aussi, j'ai commencé le premier tome. Oui, il y a plusieurs années. Faut que je fasse quoi? Ça, c'est bidon, cette scène. Elle volait dans BVS, mais oui. Avoir une attirance pour les enfants. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Tu ne peux pas continuer. Quel branleur, ce Batman. Non mais ça va. C'est un peu trop long, là, cette scène. Raven, arrête. C'est Raven qui le contrôle. Raven, c'est pareil, je connais pas. Enfin, je sais que c'est la fille du démon ou du diable, un truc comme ça. I am Batman. No, Bruce Wayne, I'm Batman. Là, on joue contre lui, mais il est contrôlé. Hein. Donc, je lui mets des tatanes, mais c'est en toute amitié, quoi. C'était pas très futé. Ah, il va être chiant. S'il commence à faire ça... Non, fais pas n'importe... Ah, putain! Cyclope. C'est pas avec Changelin, hein. C'est pas ça le délire. Alors moi je connais plus Teen Titan du coup avec le dessin animé à la télé quoi en vrai. Et encore, quand je dis Teen Titan, c'est plus Teen Titan Go quoi. Donc c'est un peu le côté comique de... Qui est une bonne série en vrai. Hein. Mais qui, oui, qui peut fâcher les puristes adultes, mais c'est pas pour les adultes en vrai, c'est pour ça. C'est pas pour les fans... Ou alors les fans qui sont prêts à un petit peu... Mais qu'est-ce que tu fais Batman? Oh là là. Tu vas prendre ma voiture. Peut-être, hein, tout ça a pu changer là. Il me semble que c'est Robin Starfire, Changelin donc et Raven, et Cyborg, bah, je sais pas, Cyborg, Internet, quoi. Il y a personne, il se tripote sur le net, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait? Non! Merde, là par contre, je vais morfler. Raven est dans la Teen Titan, ouais, ça je le sais. Comme ça que je vois à peu près la tronche de son père. Je sais pas si c'est le diable, mais c'est un démon, tu vois. Non, mais cherche pas, j'ai gagné. Mais c'est bien les dessins animés, ça permet de me rattraper mon retard. Plus tard. Je m'excuserai plus tard de t'avoir tué 4 fois. Raven, montre-toi. Bim. Qui c'est? Qui c'est qui l'a connu? J'ai pas vu. Pas un mot de tout ça aux autres. Ils ont questionné doucement, toujours les sentiments de ce dernier pour Batman. Ouais. Ah bah c'est, d'accord, c'est, ouais, j'ai pas vu. Ah bim. Ah non, ok, c'est lui, là, c'est le méchant, ouais. Fais-le sortir. Allez, je te laisserai pas. Un combat random, vite. Un combat vite fait. Regardez qui voilà. Mettons un terme à l'insurrection. Putain, mais Green Lantern contre Batman, c'est... Y'a aucune chance pour Batman, on est d'accord, hein, enfin... Putain, ils sont chiants. Attends, de quoi? Dans lequel ils sont couchés ensemble, il est poli. C'est pas vrai, avec qui? Batman et Raven? Putain, mais ta gueule, quoi! Putain! Batman et Robin, n'importe quoi! Ouais, il pique son anneau, ouais, bah c'est ce que fait Superman là, et c'est vrai que. C'est complètement justifié quoi. Dans le comics, il y vole son anneau au moment où il veut se relever. Il a pas couché avec Robin, t'es ouf ou quoi? Je n'y crois pas, Némé. Je demande des preuves. C'était une fanfiction. Non mais, putain, il fait n'importe quoi. Mais pas ça, c'est pas ça que je veux que tu fasses. Ah. Notre virginité.
Ouais, là, il est en train de me poutrer un peu la gueule gentiment. Putain, pied. Ça va pas suffire, je pense. Ah bah oui, d'accord, on dormit ensemble, mais ça... Non, non, ça ne compte pas, je ne valide pas ce truc-là. Ouais, faut pas que je le laisse trop attaquer, et on est bon. C'est Superman l'ennemi, Al. Pas moi. Oui, il est complètement taré, Superman, quoi. Ah, ça pique. Hop là, la grosse main. Là, je vais jouer Superman, je crois. Non, je joue que le gentil Superman, normalement. Allez, dégage. Genre, ça va le retenir, tu sais. Violence, quoi. Ah. Alors, voilà, c'est des comics, tu peux faire ce que tu veux en vrai. Ça, il aperçoit qu'il s'est fait gruger et que le téléporteur ne marche pas, donc. C'est pas à ce moment-là qu'on disparaît. Merde. Oups. Tu pensais pouvoir me duper, Bruce. Comme lui. Il ne s'agit pas du Joker, mais de toi. J'ai perfectionné ce monde. Tant de vies ont été perdues parce que je n'ai rien fait au lieu d'utiliser tout mon pouvoir. Pourquoi ? Contrôler ? Oppresser ? J'aurais pu préserver Metropolis, sauver ma famille. Le crime a emporté ma famille aussi, Clark. Mais ce n'était pas toi, l'arme. Maintenant. La tour de garde. Hop. Le problème, c'est quoi là ? Il peut les rejoindre à la vitesse lumière, quoi. Et donc, comme Deathstroke l'a fait exploser. Du coup, je sais pas où ils ont été téléportés. Je sais pas vraiment où ils sont en fait dans l'autre monde. J'en sais rien. J'aime bien cette caméra là, c'est super stylé, je trouve. Force bien la désorientation psychique, vous voyez, de Superman qui perd le contrôle. Son petit monde parfait. Superman, c'est terminé. Et il comprend que Luthor, son Luthor en fait, est un traître qui était soi-disant son ami. On a encore peu d'informations sur l'île de 3 heures plus tôt, mais quand tu veux qu'on se retrouve. Quoi ? André sur place. On retrouve André Garcia en direct. André. Merci Rob. Un sur l'île de Striker, on l'a pris. Flamme to the Moon. En ce moment une armée de créatures marines géantes. Donc là c'était au début du combat avec Aquaman. Ok. Pendant ce temps, Luthor il préparait son arme contre Superman. Et oui, je m'en souviens. Pour sa petite pestille qui le rend super fort. Les créatures ont-elles franchi les défenses de la prison ? Je ne crois pas. Pour l'instant, les combats se concentrent sur le périmètre de la prison. Fermeture de l'armure. André ? Activation du noyau. Contrôle des systèmes de vol. Iron Man. Système paré. Mais en plus rustique, je trouve. En moins magique. Connexion établie. Schéma de commande neurale en ligne. D'accord. Ou allez l'heure, ça ne marche pas. Un bout de mouille. Bonsoir, monsieur Chipwire. Ah bonsoir, oui bonsoir. C'est juste ça cette technique pour s'échapper en fait, c'est juste il s'enfuit, c'est des missiles. J'ai pas compris ce qu'il faisait, j'avoue, il allait où là comme ça. Qui c'est qui lui a tiré des missiles dessus? J'ai pas compris, c'est passé quoi là? Là c'est le Lex Luthor gentil, qui va pour se débarrasser de Superman avec son truc kryptonite là, voilà. Évaluation des dégâts. Énergie épuisée. Lancement de la recharge solaire. Propulsion HS. On peut pas manger. Combien de temps ? Restauration totale dans 15 minutes.
bon sang. Et comment on intègre un personnage d'une autre licence ? Voici. Thor versus Luthor, lol. Qui aura raison de l'autre, qui aura le tort, très drôle. Humpty Dumpty, c'est... Ah, c'est lui qui a tiré un missile. Humpty Dumpty a vraiment l'air... Humpty Dumpty. J'adore la couleur. Ça fait ressortir tes yeux. C'est plutôt chouette. Si vous ne voulez pas voir Superman l'emporter, dégagez. Tous les deux. Tu essaies de battre Superman ? Ton meilleur pote ? Un mensonge. Inventé pour pouvoir aider l'insurrection. Eh bien... C'est un mec qui grille sa couverture assez vite, quand même. Sois gentil, vas-tu ? Aide Monsieur Luthor à enlever mon armure. Tout de suite, chef. Là, c'est des combats, je pense, rajoutés pour le jeu, parce qu'il n'y a aucun sens, là. C'est... Alors, par contre, Luthor, je le trouve pas terrible. C'est beaucoup de... Ouais, des gravités, des mines, des trucs... C'est pas terrible, ouais. Avant A, arrière A... Et ça lui tient. Allez, ok. Et laisse-moi un petit peu. Ok. Et laisse-moi le temps, bougre. Ok. Ça lui prend du sang et tout. On va taper, hein. Il faut croire qu'il grille sa couverture tant que je joue qu'un parti. Oui, non, non, mais a priori, si, logiquement, dans cet univers-là, clairement, il s'est... Il a continué, il a été ami avec Superman, et puis voilà. Peut-être qu'il veut juste... Attendez. Voilà, j'ai un petit... Je fais des combos random, de toute façon, c'est que sur 3 touches. Tu finis toujours par sortir un combo, hein. C'est ça qui est magique dans le jeu. Bisous, elle a dit. Ok, il balance un combo. Enfin, j'ai Kidama, quoi, n'importe quoi. Tu vas me dire qu'elle survit à ça, quoi. Ah non, quand même pas. Non, mais normalement... Rends-toi service, Arline. Ne l'approche plus. Il l'appelle Arline dans cet univers. Je la vire. Je ne supporte plus ton odeur de défaite. Quoi ? Oh, ne t'en fais pas. Bisous. Les indemnités de licenciement sont larges. Joker. Non, va sauver le monde. Je m'occupe de ça. Ah. Genre Joker, tu vas me faire croire qu'il préfère charcuter Arlene que... Enfin, ouais, c'est bizarre. Là, ça n'a pas grand sens, quand même. Si je peux me permettre. Oui, de la poudre aux yeux. Ouais, non, bien sûr. Mais donc, il veut vraiment aider l'insurrection, je veux dire. Oh, il va être chiant, le Joker, putain. Pareil, ses mines, elles restent même pas en place. Ah, il peut contrer les projections, enfoiré. Ouais, c'est bizarre qu'il ait été ami avec Superman parce que... Ouais. Avant que le drame arrive avec le Joker qui tue Lois, ils étaient déjà amis, tu vois. C'est bizarre, non? Ah bah là... On n'a pas le même humour. Non. C'est les pouvoirs du jeu vidéo. Exactement. Ouais, c'est vrai que c'est... Ils ont quand même réussi à faire des... à se démerder pour équilibrer autant de persos différents, c'est pas simple. Je me mets à leur place. Surtout que c'est pas comme Mortal Kombat, là c'est une licence avec des règles un petit peu établies quand même. Parce que Mortal Kombat, ils font ce qu'ils veulent. Oui, je fais toujours pareil, mais faut que j'ai pas envie de jouer du tout. Peut-être que Superman avait raison à ton sujet. C'est-à-dire ? Tu voulais me tuer. Je vais effacer ce sourire. Comme dans Smallville. Arline, non. Dans Smallville, c'est canon. Oups. J'arrive pas à croire que je me sois encore fait avoir. Petites oreilles. Il savait exactement. Bon, les dialogues doivent pas être super passionnants. Tu n'y es pour rien. Il est comme ça. C'est pas de sa faute.
Il y a eu d'autres Harley avant Arlene et qu'il les bute dès que. Un peu comme pour. Ouais. Tu vaux mieux que c'est ça. Vrai qu'il y avait trois Jokers aussi. Ah, il y a de l'anglais qui a pas été traduit. Doucement, les gars, il est des nôtres. Contrairement à lui. Occupe-toi de lui. Enferme-le bien cette fois. Les hommes de main débiles. Je vais faire mieux que ça. Les gars vont semer la pagaille. Occupe-toi de Superman. Ça donne des alliances un peu folles, mais c'est intéressant. J'ai ce qu'il te faut. C'est la faute du dessin animé, exactement. C'est comme le Joker, c'est un perso qui est trop utilisé, quoi. Qu'est-ce qu'il dit? C'est qui eux? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Green Lantern, aide Wonder Woman. T'es sûr? Je m'occupe de ces deux-là. Fonce! Ouais, là tu sens qu'il faut mettre des combats dans Panium. Voilà, donc là il y a Black Adam et Hawkgirl qui sert pas à grand-chose pour l'instant. En tout cas dans le jeu là. Mais bon, on joue pas trop les méchants en vrai. Bim. Bah il pourrait mais non, j'ai pas l'impression. Enfin, dans le comics peut-être, je sais pas. Ah bah je savais pas, tiens. Ta ceinture en métal Enf, donne-la-moi. Métal Enf. Source de mes pouvoirs, tu rêves. Je te donne une chance. Parce qu'elle a des pouvoirs dans une ceinture, Hawkgirl ? Ouais, je connais pas très bien. C'est pas une princesse qui vient d'un peuple, je sais pas quoi, dans la vie. Tu as perdu, Hawkgirl. Aucune chance. C'est pas toujours Flash. Pauvre Barry. Bim, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Alors ça, je sais pas, c'est des attaques spéciales. Mais... Ah mais c'est comme ça qu'on déclenche avec B. Hein. Une autre victoire pour l'ex-corps. Avec les deux titans qui se battent, les deux géants, je sais pas qui c'est derrière, je connais pas. Mais tu peux changer de décor avec certains... À certains moments et ça t'envoie contre eux en fait, mais je sais pas comment on le fait. Là je sais avec R1 on a activé. Merde, t'as raté. T'es pas un guerrier. Je suis bien plus que ça. Il est possible de faire des choix, il me semble qu'il a été voté, voilà. De choisir la mort du premier Robin par les lecteurs et ils l'ont fait buter par... On le voit pas le tuer, il le met, il le laisse pour mort dans une usine qui va exploser. Ah mais c'est pas vu, en haut à gauche. Ah oui, ça s'affiche en haut à gauche quand on peut utiliser les trucs du décor. Ah intéressant, j'avais même pas fait gaffe. Bah oui, j'en apprends tous les jours. Metal NTF, c'est un métal extraterrestre. D'accord. Ah mais je peux charger. Ah je peux les charger, je savais pas. On en découvre tous les jours. Ok, ok. Je l'avais dit, aucune chance. Attention, il y a l'autre, il va y avoir... Ça arrive toujours par groupe de deux. Pas juste baisser pour récupérer le truc, ça n'est pas plus vite. J'allais faire le kéké avec tes machins anti-gravité, voilà. Bouclier. Mais non plus, j'avais pas fait gaffe. Je savais qu'il y avait des endroits, mais moi je les cherchais à l'œil nu, tu vois. Ce qui avait l'air de pouvoir. Superman a décidé de nous mener comme des moutons. Superman ne veut que notre bien. Nous ne sommes pas ses jouets. Et ce n'est pas un dieu. Exactement. La Légende of Tomorrow, c'est pas Hawkgirl. Je connais pas Légende of. Sa poitrine comme Wonder Woman. Ah putain, mais il est mal
quitter ce machin là. C'est vrai que c'est très discret en même temps les indications. Putain, merde. Ah, c'est Shazam. Hein. Alors Shazam, oui, il a un éclair. Hein. Il fait du catch aussi apparemment. Putain, il m'en met une bonne là. On a besoin de connaisseurs. Merci. Ah, merde. Ah tiens, il s'est transformé, t'as vu ? Sa petite animation de d'entre-round, on va dire. Princesse égyptienne, donc, là. C'est déjà pas mal. Et ça, je l'avais vu dans un épisode du dessin animé, ouais. Ça s'appelle Hawk Girl, hein. Bah, c'est toujours appelé Hawk Girl, de toute façon. Ouais, c'est le genre de perso, tu peux charger les attaques, mais ça sert à rien dans ce jeu-là, ça va tellement vite, quoi. Hey, j'ai pas le temps de le charger, tout. Allez, allez. Peut-être 2-3, non. Dans le 2, non, tu peux modifier les tenues, enfin les accessoires, mais pas les têtes. Niveau 38, alors j'ai des niveaux. Rien de bon ne ressort de l'idolâtrie. Lol. Et de la pâtisserie. C'est pas une idolâtrie. Statue. Circuit interne. Statue de cire. Lol. Vol désactivé. Encore. Qu'est-ce qui m'échappe? La tour de garde. Affirmatif. Oh non, ils sont pas pareils. Des victimes. Ah oui, là c'est le moment où le truc a explosé. Superman a été pris dans l'explosion. Eh bien, on risque de voir un petit peu. Sourit aux imbéciles. Et là, il va essayer justement. Superman. Et là, il appelle, on en revient, on en était. Je viens de voir ton tweet, Némé. Et là, oui, il a le truc. Mais il est tellement con, Luthor. Regardez ce plan de merde. Portée maximale des armes, 1500 mètres. Verrouillage de la cible dans 7 secondes. 5 secondes. Et là, voilà. C'est trop nul. C'est pas trop nul. C'est pas trop nul comme plan. Tu pouvais pas être sûr que l'autre était à KO. Enfin. Ça m'énerve. Il allait s'en débarrasser là. C'est du moins le calmer. Empereur. Hérésie. Je te faisais confiance. Tu m'as trahi. Il a toujours son truc à Kryptonie. A trahi qui ? C'est vraiment qu'il est là, Simon. J'ai apporté la paix. Ta paix. Ta paix. Et ta mensonge. Est-ce qu'il va le tuer aussi ? Et là, je crois qu'il va le tuer. Shazam va voir ça. Ça va lui faire changer d'avis à Shazam, je pense. Parfois, ça, c'est de l'ex-Luthor de l'autre monde. Hein. Ouais. Il n'est bien. C'est vrai. Il l'a tué, là. La VF est pas toujours terrible. Non, clairement, il y a des bonnes voix, mais tu sens que c'est un peu rushé, quoi. Non, la VF est pas top. Je sais pas ce que donne la VO. Bon, mais en VF, c'est plus immersif pour l'histoire. Ouais, là, Shazam, il dit merde quand même. C'est ta faute, abruti. Avec tes enjoliveurs, là, en guise de collier. Bon, petite taille, mais. Les doubles. Ils ont créé une insurrection. Nous devons éliminer cette vermine. La contestation mène à l'anarchie. Nous ne devons pas les laisser faire. Okay, ça, c'est les méchants. Je les ai sauvés, protégés. Est-ce qu'ils sont reconnaissants ? Là, ils parlent des humains. Est-ce qu'ils apprécient ma protection ? Non. Ils se plaignent. Ah, il a entendu les voix des gens qui se plaignent. Ça lie à ces criminels. C'est Kazan ? S'ils préfèrent le chaos,
je vais le leur donner. Ouais, là, ils pètent les plombs pour de bon. Je vais les raser. Elles serviront d'exemple. Tu veux raser les villes. Je découvrirai la dimension d'où viennent ces doubles. Ils paieront pour être intervenus. J'avoue. Ouais. Attends, on va raser des villes entières? Envahir des mondes dans d'autres dimensions? Ça te pose un problème, Billy? Ça peut être Billy. Ouais, c'est de la folie. Ça va trop loin. Le monde des hommes ne peut pas s'autogouverner. Nous devons préserver l'ordre. Non, non, il doit y avoir des limites, même pour nous. Surtout pour nous. Ah, c'est gore. Là, c'est gore. On ne peut pas faire ça. Enfin, vous êtes devenu fou. Loïs Norrish. T'allais pas dire Loïs. Mais il est pas déjà transformé en Shazam? Pourquoi il voulait se retransformer? Non, il voulait. Là, je comprends pas. Eh, il transperce la tronche, quoi. Et c'est subtil parce que. Voilà, ça ira pas plus loin que ça. On verra pas le cerveau et tout. Mais tu sais que ça traverse quand même. Ça, c'est gore. Ça, c'est gore, je trouve. Mais oui, c'est con, évidemment. Mais là, ils veulent peut-être se venger de ceux qui les ont envahis, tu vois. Ils savent qu'il y a au moins un monde. Quelqu'un d'autre ? Là, ça devient chaud, quand même. Cyborg, Raven, vous allez prendre le contrôle des médias. Je veux que tout le monde voit ça. Wonder Woman, Hawk Girl, Adam, venez avec moi. Sinestro, mobilise tes forces au sol. Lanterne, Flash, préparez Doomsday. Ah bah il faut un CAP. Au début, ouais, tu le fais un peu toi-même, ton costume, comme Spider-Man, tout ça. Mais assez vite, tu trouves un fortuné millionnaire ou milliardaire qui te le fabrique en carbure de tungstène de trucs. Emmène-le dehors. Grundy, creusez trop. Grundy, enterré. Il avait raison. On n'a pas signé pour ça. On a fait notre boulot. On a éliminé. C'est la même voix en plus, c'est le même doubleur. C'était dommage collatéral acceptable. Acceptable ? C'est le même mec qui se parle. J'ai voulu me convaincre qu'on améliorait les choses. Mais c'est faux. Je ne peux pas continuer. J'arrête. Tu as envie de mourir ? C'est trop tard. Parle pour toi. Au revoir, Al. Tu ne peux pas partir. Il peut vibrer à travers le truc de la lanterne. Barry, ne m'oblige pas à faire ça. Alors, Barry, il est pas terrible à jouer. Je m'attendais à ce qu'il soit cool. Et honnêtement, bah, c'est pas fou, quoi. J'aurais pensé que c'était mieux. Alors, charge éclair. Alors, plutôt les combos, mais... C'est... Ouais... Son finish est assez cool, on va pas se mentir. Ah non. Mais ça manque de vrais combos. Spoiler, c'est la voix du Joker dans sa tête qui délire Arkane entre deux évasions. Hein, quoi, je sais. Ça s'est mis en jaune, je crois que j'avais activé mon pouvoir. Les petits éclairs là, mais... On est dans la forteresse de Superman, non? Allez, je vais essayer de te le faire. Et là, c'est ouf. On l'avait déjà vu, de toute façon. Ça, c'est typique Flash, quoi. Par contre, qui s'envole, c'est abusé, quoi. C'est pas Naruto non plus, Flash. Ah, quand je fais ça, je crois... Ah bah non, dommage. Voilà ma vitesse. Oh, je sais plus, Ezer, c'est comme la foule à poule, non? Voilà ma vitesse. Avec sa voix qui a augmenté dans les aigus pour différencier les doubleurs. Toi, faire quoi, homme chef? Grundy écrasé, petit abruge. Laisse tomber, Grundy. Mais juste, tu te barres, Flash. Enfin, t'as pas besoin de te battre contre Grundy. Il est lent comme je sais pas quoi, tu vois, ça sert à rien. Sympa. C'est vrai que Grundy donne pas envie de le prendre comme ça. Et normalement ça fait quoi ça? Il invoque des zombies. Je sais même pas à quoi sert ce truc en fait. Je
Et il peut tout faire, mais techniquement Flash, enfin de toute façon c'est un peu pareil. Tous les gros héros ils ont tellement des pouvoirs, normalement ils devraient même pas... Enfin c'est trop quoi, tu vois, c'est pas gérable. C'est Hulk qui est mort en fait, c'est un zombie, il est immortel techniquement Grundy. Enfin, il est déjà mort quoi. Ah ouais mais je sais. Mais des fois je fais pas attention à quel endroit faut que je m'en sers. Ah putain il s'est protégé la pute. Maintenant j'ai plus mon finish, s'il me fait... Ah voilà. Ah merde, attendez, je sais pas ce qui se passe là. Il y a son finish qui est en cours, non? Merde, je peux pas l'éviter, j'ai peur, au secours, aidez-moi, aidez-moi. Ah ça y est, c'est parti. Ah ouais, c'est violent son finish, il se met en mode dès que je te touche, ça lance mon finish ou quoi? Enfin, je sais pas s'il est déjà mort, oui. Parce que j'ai compris dans le jeu, hein. Tout ce que je le sais du jeu là. J'ai jamais été fan des zombies. N'est-ce pas? Mais j'y pense pas. Mais oui, c'est marrant, effectivement. Surtout que tu peux à moitié l'inclure dans les combos quand tu... Gotham City. On va faire un détour. Mais à qui il parle, là? Ceux que j'ai réunis ici ah, c'est sont Sinestro, ouais. Les soldats les plus braves et les plus forts de cette planète. Ceci est une mission héroïque. Elle requerra que vous transcendiez votre humanité. Incarner les valeurs les plus hautes de cette vie. Ouais. J'avoue que le pouvoir de Flash, c'est d'entendre. Contrôle. Ceux qui contesteront les ordres. Mais bon, la timeline. Ceux-là seront exécutés sans scrupule, ni hésitation. Là, c'est cool là, ce qu'il va faire, Flash. Escadron, rassemblement. Je sais pas, ils vont buter des soldats qui ont trahi la cause, on va dire. Ils n'ont pas voulu buter Metropolis. Crois pas. Ça c'est stylé, ce genre de truc que Flash il fait qui est super badass. Maintenant, c'est Shepard. Assez parlé. J'ai pas fait gaffe. Allez. Oui, en effet. Qu'est-ce que tu vas faire Flash? Et qu'il est bête. Mais Flash il suffit de le maintenir en dehors du contact du sol et il peut pas faire grand chose en vrai. Mais là c'est pareil, il devrait crever Flash, c'est qu'un humain au final. En dehors de son pouvoir, enfin s'il se régénère plus vite, mais enfin là quand même. Ah enfin bon, allez, c'est un comics. Déserte, Flash. Le moment est mal choisi, non? Tu as raison, j'aurais dû faire ça il y a longtemps. Exactement. Et il fallait le maintenir et puis ouais, bah, ça de toute façon c'est un classique. Hein. J'essaie de voir où il y a des corps, non il n'y en a pas. Ouais, il nous fait un petit coup de pied tournicotant. Mais... Sinestro, c'est pareil, je connais pas très bien et je trouve que... Oh, c'était stylé ça. L'univers des lanternes, je suis pas trop fan en fait. Qu'est-ce que c'est satisfaisant? Ah merde! Je sais pas à quoi ça sert. Ah merde, là, j'ai plus de jauge. Tu vas avoir besoin d'aide. Ah si, ça lui a remis de la vie, ouais, putain, c'est... Je sais pas ce que je fais, là. Merde. Pas te laisser comme ça. Non. Oh, c'est trop nul ce qu'il va faire. C'est pas une lumière, non, il a pas l'air prêt. Regarde, c'est quoi? Il met pas de mortier et ça sert à quoi de faire ça? À quoi ça sert? Je vais prévenir les insurgés. Bah, les Green Lanternes, il y en a eu des stylés et l'univers des lanternes peut être intéressant. Mais bon, ouais. Non, Arrow, putain, ce Green Arrow, putain, les dégage. Qu'est-ce que t'en dis, bel oiseau? Toujours parfait? Exactement, ouais, ça c'est un jeu de baston. Oh, c'est bien toi? En personne. Où est Batman? Mon Batman? Il est quelque part à n'assassiner personne. Oh, arrête, Oli, tu ne peux pas me toucher. C'était pas le but. Comme d'hab.
Combien de fois il fait la blague, Arrow? Pour être rapide, faut penser vite. Exactement. C'est vrai que ça, c'est le défaut de Barry. Je vais regarder quand même ses coups parce que... Ah, c'est juste pour me faire traverser par les projectiles quand je vibre comme ça. Ok, d'accord. Ok, ok. Posture du coureur. Mais non! Avec la manette, c'est un gros problème. Puis la façon dont faut rentrer les commandes pour les combos, c'est... Faut pas te tromper, quoi. Mais non, il passe en mode coureur, mais c'est pas ce que je veux, en fait. C'est pas ce que je voulais, mais... Petite portée aussi, il a des tout petits bras flashy. Lol. Putain, du calme là. Arrête! Bon, je vous le ressors à chaque fois, mais bon. Pas de ma faute, il y a un seul finish. Là, il va me faire son attaque chiante. Hein. Ah putain, mais. Allez, c'est bon. Il reprendra pas de points de vie. Mais non, je suis venu là pour trahir mon camp, voyons. Ça suffit, Oli, je suis de ton côté. Oli, quoi. Il faut absolument. C'est Oli, moi, du coup, l'autre Oli. Ça y est, écoutez-moi, c'est son pote. Gotham et Metropolis vont disparaître. Ensuite, il s'en prendra à notre monde. Ah non, pas Wonder Woman, elle est chiante. C'est de la folie. On doit l'arrêter. Ça va être un sacré combat. Non. Je vous ai fait venir pour l'arme à Kryptonite. Et ce plan a échoué. Rentrez chez vous. Je détruirai le transporteur interdimensionnel après. Ça ne l'empêchera pas de venir. Bah si. Ça vous laissera le temps de vous préparer. Bah si, comment il va venir pour nous. On qui sait qui va lui faire traverser important. Il y a une solution. Oliver. On amène notre... Oliver, ah c'est ça la blague. On termine ce combat. On a assez d'un super. C'est vrai qu'il s'appelle Oliver. C'est vrai qu'il appelle Oli. Ne vous laissez pas envahir par vos émotions. Oups. La fine équipe. Non, pas Bane, putain. Tu apprendras à vos craintes. Je sais rien. Pourquoi Superman t'a épargné, Bane? Il apprécie le savoir-faire. Comment pour bloquer? Ah, il a des armes, lui, maintenant? J'ai une grosse AK-47 géante. Qu'avec ses proportions, elle devrait être beaucoup plus petite. Hein. Voilà, c'est passionnant comme gameplay. Je te briserai. Mais il bouge les bras au moins, je sais pas. Ouais. Vous auriez pu animer le truc, quoi. Ah, mais je fais pause. Ah, ouais, mais. Ouais, c'est pas vrai, c'est bon, on s'en bat les couilles. Je vais te briser comme une allumette. Alors comment est-ce qu'on passe en mode épée? Voilà, alors ça c'est chiant, soit en mode fouet. Comment on passe en mode épée en vrai? Attends. Je sais plus comment on change. Ah voilà, avec B, d'accord. Ça aussi si tu le sais pas. Ah bah elle est complètement ratée. C'est vrai que les proportions sont assez débiles. Je sais pas du tout la jouer. Les proportions sont complètement ratées. Alors, il faut que j'aille. Bah, moi aussi, normalement, de bouger les bras, mais. Avant, arrière. Ouais, arrière, avant, arrière, avant. Hein. Coup de bouclier, bouclier ascendant. Je
Ah bah là c'est... C'est vrai que c'est un scandale. Putain, il va en prendre plein la gueule. Non mais plein la gueule. Au secours. Ah bah comment j'ai fait? Pourquoi il y a un truc qui creuse des trous là? J'ai aucune idée de ce que je viens de faire, mais je l'ai fait, j'étais content. Oui, il y a ces trucs là où tu... Mais c'est pas dans tous les décors, ça dépend. Bon, si je regardais un peu, c'est cool là, de m'en prendre plein la gueule. Combo épée, double lame. XY, XX arrière X. Putain. Les Amazones qui viennent donner un coup de main. Tranquille. Nice, c'était sympa. Ah merde, là du coup. Foros du dessin animé L'Atlantide. J'ai pas vu le film Disney, tu veux dire ? Pas vu. C'est intéressant parce que. Ouais, ça. Putain, mais par contre, elle repasse sans arrêt en fouet alors que je lui ai pas demandé, c'est chiant. Ça, ça arrive souvent, ça. Putain, lui, ça y est, il se fait des. Allez, allez. Toi, elle a l'air sympa à jouer, tu as un bouclier, une épée, ça se passe bien normalement, mais. Remercie Athéna pour ma pitié. J'ai lui lancé la gueule la dans une foreuse. Aurait dû t'apprendre la valeur de la pitié. Peña Durán m'a appris une chose. Mieux vaut être craint que respecté. What? Ah oui, Arès qui la téléporte, oui. Ah, c'est reposant. C'est détendu. Témiscira? Comment est-ce? C'est moi qui t'ai amené ici. Ce toi, design pourri. Je voilà, n'ai voix pas de Bane. Pour tes intrigues. Calme-toi, je te prie. Nous avons beaucoup à parler. Mais Arès, c'est juste un gars. Il est banni, voilà. Très drôle. Mais je n'écouterai pas tes mensonges. Enfin, Arès, je comprends. Je savais même pas que c'était vraiment le délire. On va jouer un peu au fouet, mais. Putain, il m'en met plein la gueule. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme coup avec le fouet? Désolé, ça c'est chiant, mais je suis obligé. Je. Percute amazonien, tour de lasso. Ah ouais, celui-là il est pas mal ce coup là. Chien, un perso bof. Ouais, moi je suis vite revenu à mon. Bon, par contre, il m'en met plein la gueule. Non, merde, je me suis planté de touche, bordel de cul. Ah! Merde, merde, merde. Si ça passe. Pourquoi elle a spawn en plein milieu d'un temple grec? Parce que, ouais. Ça fait un peu trop. Ah bah, de toute façon, après, faut bien voir qu'Injustice, c'est un gros machin. Il y a gros crossover, quoi. C'est... Parce que le Civil War. De ce que j'en ai compris, ça ressemble. Mais en plus sympa, je trouve vraiment que c'est. C'est vraiment intéressant comme intrigue. Ah oui, ils sont invisibles. Quand tu joues, du coup, je sais pas comment ça marche. Quand tu joues en deux joueurs. Imbécile. Surveille ta langue. Voyons. Je perds normalement, voilà. Ah, mais chiant. Putain, c'est remis en épée encore, c'est chiant. Je vais rien demander, quoi. Oh, tu me parles. Ouais, c'était remis en fouet encore. À présent, Arès. Bah, il a téléporté à Témiscira chez elle, quoi. Mais dans lequel? Est-ce qu'il y a plusieurs Témiscira, du coup? Diana, tes amis survivront à leur petite bataille. Mais si tu veux vraiment les aider, écoute-moi. Pizza invisible. Comme les combats de DBZ, tu sais, quand ils vont super vite. Bon, finalement, j'écoute le dieu de la guerre, allez. Enfin, de la guerre. Des conflits, je sais pas quoi. Et de Batman contre Bane. Nous devons faire sortir le transporteur. S'il est endommagé, vous ne rentrerez jamais chez vous. Compris. Transporteur? Ah oui, la machine. Je connais le plan de Superman. Tu ne m'apprends rien.
Mais sais-tu comment il compte mettre son plan à exécution? Pas encore. Si tu ne m'avais pas amené ici... Ah oui, il a recruté les Amazones, c'est vrai. Par Aphrodite. Enfin, du coup, l'autre, Wonder Woman, a... La grande armée Amazone, prête à envahir tout un Ça continent. Va, y a même pas 100 pélos, quoi. Comment a-t-elle... Si seulement quelqu'un pouvait l'arrêter. Pourquoi voudrais-tu que je fasse ça? Le conflit pourrait te rendre tes pouvoirs. À court terme. Si Superman assoit sa suprématie, le conflit qui alimente mes pouvoirs s'éteindra à jamais. C'est marrant. Je pourrais te remercier, Arès, si tu n'agissais pas encore dans ton propre intérêt. Inutile. L'ennemi de mon ennemi... Nous ne sommes pas amis. Nous avons un intérêt commun, pour l'instant. J'ai besoin... Qu'est-ce qu'il y a fouleur? Tu as été repéré. Je te laisse travailler. Arès aide les insurgés. En termes de stratégie, ce n'est pas Athéna. Ton apparence trahit ton allégeance, Raven. Tu es au service de Trigon, pas de Superman. Je les sers tous les deux. La victoire de Superman hâtera le retour de mon père. Ouais, Trigon, c'est son père, c'est espèce de démon chelou. Et tous se prosterneront devant lui. Ah, change d'arme. Et chiant, Raven. Après, le type tout seul essaie de rappeler aux autres qu'il est là, mais personne ne l'est. Tu parles de qui? De Arès, non? Bah, les cas, je fais beaucoup des combos, en fait. Ouais, là. Bah là, ils ont fait une drôle de gueule, mais après, ça, c'est la Raven... La Raven méchante, du coup. Alors, je sais pas si ça change grand-chose. Bon, allez, c'est bon, je peux jouer un peu, merci. Est-ce que je pourrais gagner au lieu de perdre? Merci. Ah, elle est relou. Ça, les combats deviennent un peu plus chiants. Kratos dans l'injustice, ouais, mais... Ah non, ça, faut pas qu'il commence à mettre trop de guests un peu nuls, quand même. Désolé, mais là, non. Ah, parce qu'elle te bloque dans tes combos. Ah ouais, bah tiens, bah toi aussi. Ah non, c'est pas juste à l'esquiver. C'est peut-être pas le bon moment de sortir ça. Voilà. Tac. Bim. Zblim. Ah ouais. Ah, il y a ça aussi. Pour Thémiscyra. Remets-toi en... Quel est chiant. Ah. Mais non, mon combo est où? Porno. Après Kratos. Putain, non, je vais perdre. Allez. Oh putain, avec le truc du décor en plus. Je suis deg. Et tous se prosterneront devant lui. Ah putain, je supporte plus ce coup la gamme fait là. Ouais. Ça s'est mis en mode YOLO. Allez, faut que j'assure un peu sur mes cons. Ah putain! Eh oui, mais j'ai pris l'habitude dans le jeu de m'approcher en sautant, quoi. Ça me fait plein la gueule, hein. Allez, on a le premier round. Tout se pète, alors qu'il n'y a pas de raison là que le décor se pète. Putain, plein dans ma gueule.
Ah, c'est son père, ça. Ça, je le reconnais. Oh, ça a pas foiré, mais ça a suffi à la tuer, donc ils ont pas lancé l'animation. Ça, c'est cool, ça fait gagner du temps, ça. Ne compte pas sur le retour de ton père, Raven. Oh, Raven, c'est la vieille série de Kung Fu merdique avec... Hâtez-vous, mes soeurs. Avec l'homme qui valait 3 milliards et un autre mec qui fait du karaté moche. Emportez ça sur l'Athéna, Sloop 51. Sloop. Ensuite, allez sur la jetée sud. Sloop et Sloop. L'équipe. Ah, je n'ai plus de piles, aïe aïe aïe. Ah là là, c'est le drame. Heureusement, ça bloque pas le jeu. Je vais m'en de ce pas. Hop, mettre AFK et je vais chercher des piles. Je reviens. Mais voilà. Eh oui, des bons petits gifs qu'on connaît. Pour un transfert d'armes. Allez, Diana. Ben. Rappelle petit stop. Ton armée. Elle ne soutient enfin, notre armée. Superman, tu n'as aucun pouvoir, usurpatrice. C'est moi qui commande. Tu déshonores les Amazones. Nous devons tempérer la violence humaine, pas y contribuer. Après Metropolis, Superman m'a ouvert les yeux. Leur violence ne peut être tempérée, seulement étouffée. En tuant des innocents, comme Zeus avec Hippolyta, Superman se sert de toi. Tes Amazones c'est doivent être plutôt le contraire en fait dans le comic, j'ai l'impression. C'est que sans guest, ah voilà. Après je le fais ça, j'arrête le stream après, je ferai pas mieux. J'aurais atteint le point de non-retour, mais c'est le top, le sommet. Aider les innocents. On doit être gentil, pas méchant. Moi je dis on va être méchant. Ami ou ennemi. C'est notre rôle. Tu me sermonnes sur ce que signifie être une Amazone. Je ne te sermonne pas. Pousser les seins. Elle se coupe pas quoi. Quoi? Je te déteste. RLD en pause? Non. Ça veut dire quoi RLD de toute façon? Pourquoi qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas... C'est quoi RLD? On va dire que c'était un bug. Hein. Putain. Elle est chiante, Diana. Parce qu'elle a ses... Comment elle lance son bouclier? C'est comment lancer le bouclier? Ah, du stream. Le stream, stream imitation, ben on l'invitera. Ah, juste Y, d'accord. Ah, mais je veux pas qu'il se... Ok. Rentre chez toi. Rentre chez ta mère. Oui. C'est que la projection, quand tu fais la projection, ça passe en mode fouet. D'accord. Putain, des fois les combos, ils ont un or. Boing, boing. Ah, peut-être. C'est possible, ouais. Exactement, on aimait. Ah, je suis démasqué, là. Eh oui, mais pourquoi il me met en pause? Ah, attendez, je suis en train de me faire ken. Là, oui, j'ai déclenché le truc, j'étais à peine relevé. Et là, les autres Amazones vont venir lui péter la gueule. Pas très logique, mais bon.
façon, je suis presque mort. Voilà. Mais il connaît trop, je peux pas le gruger. Ouais, j'ai gagné parce que... C'est Wonder Woman qui a gagné, alors c'est bon. Ah non, c'est B, merde. Ah putain, mais les commandes... Pour ce jeu, la manette Xbox, elle est vraiment pourrie. Pour les avant-arrière, il n'y a que ça et... Ils répondent très mal. Parce que dès que tu fais avant-arrière, tu pars vers le haut, vers le bas, quasiment à chaque fois, quoi. Le petit bruit du bouclier, il est priceless, quoi. Zbring. Allez, allez. Et je me trompe. Et là, ça a pas marché, par exemple. Allez, là, ça passe. Oh, ça, comme par hasard. Bah, bravo. Merde, là, maintenant, on fait ça, évidemment. La discrétion est une... Je te fais un bras d'honneur. Sympa, ce plan. Ouais. Ah non, je suis repassé en fouet. C'est moi, garder mon arme, putain. Bim, coup de pied dans le bide. Dans le nichon, on n'a pas trop vu. Et voilà. Reconstruisons ce que nous avons détruit. On va jouer à Minecraft. Halt, mes sœurs. Je sais que ça peut être un peu troublant de voir deux fois la même reine. Je ne suis pas de ce monde, mais je suis une Amazone. Et je vous le dis, ceci est folie. Notre rôle est d'unir les peuples du monde, d'apaiser la colère des hommes, de la vaincre par la compassion et l'amour. Elle a laissé un homme imposer sa colère à une planète tout entière. L'a laissé être consumée par ses passions les plus sombres, plutôt que de l'extraire à son désespoir. Mes sœurs, j'écoute. Revenons ensemble du bon côté de l'histoire. Partons au combat. C'est un peu ça, ouais. Mais pour protéger l'humanité. De toute façon, les Amazones, c'est des moutons, quoi. Enfin... Nous sommes des Amazones. Nous sommes là pour sauver les hommes. Si devant en ligne, lol, Simon, lol, MDR. Nous allons sauver ce monde. Avec des offres encore jamais vues. Moins 50%. La livraison offerte. En moins de 2 jours par drone. Moins de 2 heures plutôt, pas besoin. Ah bah d'accord, allez, on fait tomber les immeubles. Il n'y a pas plus simple pour raser la vie. Putain, Superman, il tue des innocents, quoi, tu vois. Ça va loin. Là, il a pété un cap, quoi. Comment a couru Catwoman, c'est horrible. Effectivement. Il faut absolument... Quand j'aurai terminé, vous rentrerez tous. Domino Day, exactement. Tu sais, je comprends. Comme toi, j'avais prévu le jour où mon Superman perdrait le contrôle. Mais sans aide, tu mourras. Et l'insurrection avec toi. C'est peut-être mon destin. Nous ne croyons pas au destin. On va se battre entre eux, quand même. Mais si, en plus. Je me souvenais pas de ça, pourtant je l'ai vu. Vache. Vénère. Mais je suis toujours avec Wonder Woman, logiquement. Hein. J'ai pas encore changé de perso aussi, j'ai pas fait gaffe s'il avait marqué quelque chose ou pas. Bah peut-être. Bah si, alors je dois jouer Batman. C'est mon monde, mon combat. C'est devenu le nôtre quand tu nous as fait venir. Ce truc improbable, quoi. Hey, j'avais mis ma protection. Mais là aussi, putain, c'est chiant. Putain, il vénère la vache. Moi, je suis celui de droite, là. Batman contre Bootmoon.
Mais même moi je m'y perds. Non. Putain, il va trop vite la vache. Arrête, ça va trop vite. Putain, j'arrive pas, il est trop rapide, enfoiré. Ah la vache, mais j'ai rien compris quoi. J'ai rien compris. Il m'a détruit la gueule. J'ai rien vu passer quoi. Mais bien comme il faut quoi. Ah la vache. Mais c'est même pas ça que je veux faire en plus. Et puis moi je connais 2-3 combos à tout casser. En plus je sais pas comment il fait ça là. Ah la vache, qu'est-ce qu'il met dans la gueule. Je sais pas pourquoi mais d'un coup quoi. J'aurais pas dû le gaspiller maintenant, tant pis. Mais grave. Oh si, tu suis quand même, parce que bon. Allez, cassage de jambes là. Crac, ça c'est bon ça. Ah merde, pute quoi, mais comment il sait quoi. Là l'ordinateur il cheat quand même. Putain. Oh merde. Ouais, c'est bon. C'est la vache. Mais en général, quand il fait un combat vénère comme ça, le combat d'après, il laisse un peu passer des trucs. C'est devenu le nôtre quand tu nous as fait venir. Descends un peu. Ah bon, en mode difficile, non mais carrément. Sans moi, je joue pas pour la difficulté, là, c'est pour le fun. J'ai te dire, il n'y aurait pas les combats. Je ferais que regarder les cinématiques, ça m'irait très bien. Hein. Voilà, déjà il est un peu moins vénère quand même. C'était pas tout à fait calculé la glissade pour passer en dessous de son truc. Vache quand même. Hein. Mais non. Hop. Mais non, Batmoon. Oui, oui, bah sur internet, mais bah, tant qu'à faire, bon j'ai le jeu. Il est quand même sympa à jouer en baston, hein. il est pas mal. Hein. Faut pas non plus. Merde. Ah bah non mon petit pote. Alors je sais pas comment on déclenche ces machins Jagger là. Combo assisté, oui, je sais pas ce que ça veut dire, combo assisté. Comment elle t'intervient. Changement de posture LB. Il y a un changement de posture, F3. Je sais pas comment est-ce qu'on déclenche les trucs Jagger là. Non. Voilà. Oui, tout sera perdu, c'est pas grave. Ouais. Mais putain. Allez, on est bon. Crac, tu bouges plus. Sboing, ça rebondit. Le Mick Jagger. Oui, le machin Jagger, hein, je sais pas comment on le déclenche. Si on a fini ici, on perd du temps. Tu fais une grave erreur. Tu nous as fait venir car tu avais espoir. L'espoir que l'on porterait les valeurs que tu as défendues corps et âme. Alors crois en nous. Crois en toi. Et finissons-en. Qu'est-ce qu'il va faire du coup s'il les revoit pas, qu'est-ce qu'il fait. Tu ne sais pas comment ça marche, j'avoue. J'espérais que tu ne t'en rendes pas compte. Qui va faire venir notre Superman alors. Ouais. Avec le petit S, c'est stylé. Là il lui explique. Alors le mien il a pas d'épaulette, le gentil. Des innocents meurent. On s'occupe des autres. Cette pause. Concentre-toi sur leur Superman. La pause. On va le faire ensemble, pour éviter les pertes. Ensuite, Superman. Doomsday va poser problème. Dommage collatéral. Je devrais mener ce combat ailleurs. Autre chose ?
mais ouais. Je sais que ce n'est pas tout à fait exact, mais c'est bon de t'en trouver. Allez, Superman, il va niquer des mères maintenant. Ça suffit, Black Adam. Si Kandak existe ici, tu peux rentrer chez toi. Kandak ? Peut-être son pays, je sais pas. Bim ! Oh, c'est nul, ça. Commande pour détruire. Ouais. Ah, pardon, ouais, j'avais pas vu, ok. Et je m'en souviens. C'est nul, putain, c'est long, ça. Tu peux pas vraiment les skipper, quoi. Enfin, à moins de te prendre des coups, mais après, tu perds des HP, c'est chiant. Il faut tirer des voitures. Et ton monde en souffre. C'est trop long et c'est nul. Je peux rien faire, juste appuyer sur les petits boutons, voilà. Non, tiens, le pouvoir de spawner des armes, j'ai choisi un vieux couteau de bouffe. Mais le problème, c'est que c'est basé sur l'imagination, c'est ça, non? Donc du coup, ouais, il fait pas preuve d'une très grande imagination. Et puis pourquoi des armes random humaines, tu vois, juste des lasers quoi, tu vois, te fais pas chier à faire des armes, c'est nul. Vu que c'est fait en énergie verte, ça sert pas à grand chose en fait. Le petit bruit du laser est quand même pas top là. Pourquoi tu voles pas jusqu'à lui pour lui niquer sa mère, le laisser buter des mecs dans les voitures depuis tout à l'heure, quoi, enfin bon. Tu n'as pas ta place ici. Là, c'est un peu random, quand même. Enfin, ça remplit le jeu, quoi. Des fois, j'ai des bugs sur les touches. Hé, je l'ai touché. Surtout, il m'a électrocuté avec quoi, j'ai pas compris. Ça y est, c'est fini. On a fini les conneries, on peut jouer un peu. Allez, coucher, Black Adam. Alors, Superman, il a un laser abusé, quoi. Aucune insurrection n'est tolérée. Ah d'accord, c'est que s'il a un pays, lui aussi. Attendez, je regarde juste ses coups, du coup. Ses coups du coucou, le super souffle, la vision thermique, il est violent. C'est en arrière, et X. Ok. Ce truc, mais oh, il a quand même un petit temps de latence, mais bim, exactement. Ah, oh mais ta gueule, je suis Superman, bordel de cul. Ça va être chiant. Il fait des petits nuages, c'est bien. Ah, c'est, je sais pas encore trop bien. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, il est stylé quand il... Ah merde. Dommage, c'est pas passé. Du coup, j'ai un truc anti-aérien, puis j'ai un truc pour l'envoyer en l'air. Sans kryptonite, il devrait être limite intouchable. Mais oui. Mais ils peuvent pas faire du RP. Là. C'est pas possible. Il peut pas y avoir de RP avec des trucs qui... Merde, là. Wager. Impossible. Putain, il est chiant avec ses éclairs, sans déconner. Crame en enfer, quoi. Oui, ça balaye tout l'écran. Je peux le spawner, quoi. Je peux pas le spawner, je peux le spammer, pas spawner. Je me trompe de mot. Tu as assez fait de mal. Ouais, c'est pas une voix qui est nulle, mais... Toi, t'as pas fait ça dès le début. Retiendra assez. Non, tu parles.
Merci. Moi, je suis méchant. Pas si super. Elle est vulnérable à la magie et aux autres magiques, comme Black Adam, Shazam, Wonder Woman. Aux êtres magiques? Ah d'accord. Je savais pas qu'il y avait de la magie. Lol. Il est cool, Superman. C'est... Le pauvre gars Sinestro sans sa bague, il ressemble à rien. C'est ta chance de faire le bien. Saisis-la. Ah du coup ils doivent quand même se rendre à un autre Superman quoi. C'est intéressant parce que... Aquaman il fait un peu de ménage. Ah c'est le méchant Aquaman tu vois. Ça peut faire mal, ouais, c'est vrai que... Ouais, après, s'il n'a pas vraiment besoin. Oui, nous sommes prêts. Mais le temps qu'il a fallu pour qu'elle monte sur les toits, juste pour faire le coup. C'est badass. Voilà, des flèches enflammées, mon dieu. Formation du lézard. C'est de la tortue, c'est la blague. Ah bah y'en avait au sol aussi. Ah ils se sont fait chier à faire des petites scènes comme ça, c'est bon. Tu n'es pas le bienvenu. Faut savoir. Ça, il y avait super chiant aussi. Arrête. C'est l'heure du spa, alors excusez-moi. Ça va être chiant. Arrête de me faire du mal, t'es pas gentil. Alors là, là ça commence à être plus dur, je crois que c'est... Je sais pas si c'est pas là que j'avais arrêté. Bah ils sont tous pétés, ouais, ça... Attends, mais là je fais pas attention, en plus je regarde pas. Et puis ils commencent à bloquer mes combos, ça va pas ça. Commence à bloquer mes finishes là. XXX, XXY, Y, Y, Y. Ouais, il y a même que Wonder Woman en gros quoi. Mais alors, tu m'avais dit ça les airs déjà, mais c'est quoi tenir en respect en fait parce que... Oh il est chiant mais... Là dans le jeu il a des combos infinis quoi. C'est juste l'anti-jeu, c'est tout ça. Ouais, ouais, il fait ça, je suis mort. De toute façon, il m'attaque à distance. Tu n'es pas le bienvenu. Ah, je peux le faire en l'air, c'est vrai. Ce qui est assez abusé aussi quand tu y penses. Merde, je tombe de touche. Hé, hey, pourquoi il l'a pas fait là? Merde. Ah bah je sais même pas comment j'ai fait ça du coup. Soumets-toi. Hé, hey, il manque des coups là. Ah bordel, il est chiant son attaque là. Je ne plaisante pas. C'est fait. Merci du conseil, ça fait mal. Sans usage de kryptonite. C'est vrai? Et comme ça, c'est random, on n'a pas d'explication, parce que ta gueule, c'est magique, quoi. C'est un peu dégueu, parce que du coup, comme par hasard, c'est le seul truc. Allez. Bim! Waouh! Waouh, c'est stylé.
Ça, c'est cool. C'est digne de Superman. Mais là c'est pareil, j'ai dit une attaque, elle est pas sortie. Merde, je me trompe de touche. Hey. Attendez, le souffle, c'est quoi? Super souffle, non? C'est en arrière, ok. Je vais expirer, d'accord. Je me trompe de touche, mais ça fait pas ce que je veux. Faut que je reste un petit peu à hauteur, parce que souvent... Allez, on est bon. Ah, t'es chiant. Que vous le vouliez ou non, vous avez besoin de moi. Peut-être. Fragment de kryptonique était sur Terre depuis des milliers d'années, enfin dans l'océan. On a brisé leur rang, ils reculent. Note d'amantine forgée par Poséidon lui-même. D'accord. Il faudra de l'aide pour soigner les blessés. Je déploierai les gens. C'est pas de l'adamantium. Merci Diana. Avec toi tout semble facile. Elle c'est les. Occupons-nous d'abord. Ils sont tous les deux dans le même univers. Il faudra. Que... Super. Pourquoi une voiture? Qu'est-ce qu'ils ont avec les voitures dans le jeu? Enfin, je crois que c'est une voiture, non? C'est un bout, je sais pas quoi. On sent la repompe, ouais. C'est qui ça, Doomsday, putain? Alors, dans les comics, est-ce qu'il est vraiment dangereux, Doomsday? C'est un train, ouais. Qu'est-ce qu'il voulait lui faire, lui rendre une peine? D'accord. C'est intéressant pourquoi ça marche sur Superman, la magie, alors que c'est un alien et pas le reste. Petit triangle à côté de la barre de chat, ça c'est le petit... c'est pour faire des dons via les bits. C'est la monnaie virtuelle de Twitch. Tu peux acheter par pack et après tu le distribues, c'est des petits bijoux qui valent de l'argent en fait. Tu peux transformer en argent, moi je peux le recevoir en argent. Je crois que ça peut te servir sur Amazon. Hein. Européenne, je sais pas. Donc tu as tué Superman, ouais. Comme dans le film, tu es pour de faux, non? Dans le comics, je connais pas, après. Donc ça, DC, je connais vraiment très peu. Jack Marvel, je sais pas. Ils ont inventé un collier pour le contrôler, là. C'est pour ça qu'il y a une espèce de truc, là. Je vis pour te tuer. Alors tu vas être déçu. Lol. On l'a jamais encore... Enfin, moi, j'ai jamais joué Doomsday. Putain. Putain, le problème, c'est qu'il a un temps de latence pour tous ses coups Superman, en fait. C'est assez chiant. Enfin, pour tous ses coups spéciaux. Hein. Ouais, son coup spécial, il est pas passé, c'est chiant. Ah la vache, hâte de sauter comme un cabri, là. On crève donc un peu, là. Eh, mais là, il y a des coups qui sortent pas, c'est chiant. Voilà, c'est même pas ce que je voulais faire, trop con. Ça va pas. Non, non, pas maintenant, putain, gaspillage. Bah oui, exactement. Bah c'est ça, c'est que les mecs trop forts, ils sont gentils, donc ils font pas ça, tu comprends? Abandonne maintenant. Là, c'est pareil. Bah, je peux pas jouer, c'est trop cool. Pas très gentil, Doomsday. Merde. Putain, c'est trop chiant. Merde, je suis trop près. Non, c'est mort, c'est mort. J'arrive pas à le voir dans le décor, il est gris sur grisâtre là. Alors tu vas être déçu. Bleu gris sur bleu gris, on va pas bien. Je sais pas, comment j'ai fait ça, me demande pas. Ah attends, Superman. Oh bah oui, bah d'accord. Pas très gentil ça, Doomsday, hein. Pas pipou, hein. Il les met dans la zone fantôme. Mais oui, c'est comme les maîtres Arkham, quoi, c'est bidon.
Faut les buter, il a raison Super, le méchant Superman de toute façon. Il est chiant son attaque. Oh bah là mon laser, non ça marche pas. Et il se protège systématiquement de mon souffle quoi, c'est magique quoi. Combo sympatoche là. Ouais, j'ai pas compris. Ah, j'étais dans la zone 0, c'est ça? Merde. C'est passé quoi là? Ah, mais mon souffle, il y a une portée de quoi alors au final? Parce que. Bah, après, il va me faire son truc Wagger. Un petit peu, ouais. C'est quoi, Ish? Ah. Allez, on en parle plus. Ah, relou. Non, il est pas trop frustrant, le jeu, c'est très bien. La fin du monde attendra. Oh, je vous avais dit exactement. Ah d'accord, ok. Oui, c'est vrai, je me souviens. Si, si, mais je connais en plus. J'ai vu celui sur le Seigneur des Anneaux. Par te faire venir. Tu n'as rien à faire ici. Mon devoir ne se limite pas aux frontières. Arrête de ma dimension. Mais si, carrément. Je suis le sauveur de ce monde. Je le protège. C'est vrai que c'est de l'ingérence, quoi. Tu crois faire les protéger? Les enfants désobéissants seront punis. Des enfants? Tu n'es pas un dieu. Ce n'est pas à toi de décider qui doit vivre ou mourir. J'ai ce droit. Je l'ai depuis que Joker m'a transformé en arme de destruction massive. Je sais ce que tu ressens. Et tu me juges? Fais-lui un câlin, quoi. Quand je t'aurai tué, j'amènerai Loïs ici. Quand elle verra à quel point j'ai perfectionné ce monde, elle sera effrayée et écœurée. Elle sera en vie. Sa mort ne justifie pas... Il me l'a volé! Tu as volé la liberté de ce monde. Il est temps de la lui rendre. C'est le combat final, peut-être, non? Ça paraît très logique. Ah, c'est beau quand même. C'est vraiment intéressant. Ah, il me met la mine. Je peux pas bouger. Putain, je peux rien faire, quoi. Ah, la tôle. Il m'a fait perdre une demi-barre en un quart de seconde, quoi. Bah, ouais, bah, v'là le killer, quoi. Et puis moi, je sais pas jouer, surtout. Adam West? De... Non, merde! Le premier Batman? Enfin, de la série télé, quoi. Des années... Je sais plus combien, 60? Ah, oh, fuck. Ouais, Loïs, disons ça, je me suis tué, c'est mortel, moi je suis mort de... Quoi? J'ai pas compris, là. Ah, ça y est, c'est mort, il est reparti. C'est la fin. Ah merde. Ah, c'est mort, j'y arriverai pas du premier coup. Même il fait pas ce que je veux faire un combo, mais il le lâche pas. Là. Il est temps de la lui rendre. Montrer son double mort au sol. Mais il veut pas lui montrer son double mort. C'est... Ah oui, non, d'accord. Non, c'est pas ça qu'il veut faire. Il veut amener Loïs, puis il veut la garder, quoi. Genre, Loïs, ça va être d'accord avec lui. Il fait, oh, t'as bien fait de tuer tout le monde. Surtout que c'est un peu con, parce que... Si c'était ça, Loïs, à lui, qui éventuellement trouvait ça cool de s'être fait venger par son mari...
Putain, je me débrouille pas mal. Je fais des combos, je sais pas comment. Merde. Et il se vénère un peu aussi. Abandonne maintenant. Ouais, ouais. Ouais, il me laisse gagner quoi. C'est la fin. Allez. Ah, merde. Je sais pas comment il fait ces petits lasers là. Il est tout petit. Comment ça a bien maîtrisé ça. Laser façon Harry Potter. Allez, on va faire ça propre. Merde, s'il me laisse pas faire, c'est sûr. Merde, ça a pas marché. Non, il a l'avantage. Merde. On y est. D'autres niveaux, je ne sais pas. Je sais pas où on en est de l'histoire. Ton règne est terminé. Enfin, il l'a pas vraiment tué, il l'a juste un peu tapé dessus, quoi, tu vois, ça va pas suffire. Comme dans les vieux films avec sa main et tout. C'est sympa, c'est très sympa, il y a plein de refs en fait. Mais c'est sur toi que tu tapes, ça doit être perturbant quand même, non? Contre son boule, ah bah ouais. Il a des fesses, c'est quand il fait caca. C'est un Superman qui fait caca, quoi. Il y a une diarrhée, mon pauvre, laisse tomber. Quoi. Tu ne terroriseras plus les habitants de cette planète. Et comment tu vas le garder en calme, tu vois? La peur est la seule chose que comprennent les gens. C'est Superman. Un jour, tu le sauras. Oui. Là, par exemple, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va le mettre dans la dimension X aussi? Le fourre-tout. Green Lantern qui fait le taxi, hein. Normal. Batman qui est là. Putain, faut pas qu'on se batte, sinon je suis mort, quoi. Tu devras me tuer. Ouais. Non, pas même toi. Il y a eu assez de morts. Exactement. Donc il s'arrête tout le monde et tout. Les méchants. Et l'autre il retombe dans leur univers quand même. Où il y a sa Lois. Oh bah Flash, il est. C'est bon, il a changé de camp, ça va. Il va en prison quand même, ils vont vraiment les mettre en prison. Ah, il a fait du mal aussi quand même. Lego Batman 3, le jeu? Je sais pas. Un panier à salade cosmique. Ils envoient où le Joker? Ah, il le ramène dans l'autre dimension, oui, tout simplement. Bon, Sinestro, voilà, il ramène les autres lanternes. Qu'est-ce qu'ils font les lanternes? Les complices de Superman ont été pris. Ou se sont rendus. Ah oui, d'accord, ils sont maintenant emprisonnés. Ils vont établir l'ordre civil. Le gouvernement provisoire a fort à faire. Nous l'aiderons s'il le veut. Merci, mais non. On voit ses fesses. Les gens doivent savoir qui dirige. Et pas nous. Alors tu n'as pas changé d'avis? J'apprécie l'offre du président. Ça s'appelle Alexander Joseph. Mais je n'ai pas ma place au gouvernement. Ah, il voulait Batman. Aucun de nous. Tu penses que Batman a de l'avenir ici? Le crime et la corruption reviendront. Oli m'aurait trouvé. Ça, j'avoue, bah, ils sont dans la cosmos. Hein. Je suis juste réaliste. Et votre Superman? Il sera jugé. Avec ses complices. Il avait raison. À quel sujet? C'est pas l'insecteur. Dans la même situation. J'aurais peut-être fait pareil. On ne sait jamais de quoi on est vraiment capable. J'espère pour ton monde que tu ne le sauras jamais. En gros, il n'y a pas vraiment de solution, quoi. Si ça se trouve, ça peut arriver, bah, peut-être que je pèterai les plombs sur d'autres dimensions. Garde bien ça à l'esprit. Ouais. Quoi? S'il se passe quelque chose, et que ça t'arrive... Je viendrai te botter le cul. Je m'occuperai de toi. Il faudra faire la queue. Ils ont mis dans une cellule, genre quoi, qui reproduit Krypton, la pression atmosphérique de Krypton, je sais pas quoi. Toujours la fameuse prison en verre transparente, flottante, le cliché. Hein. Ah bah c'est la police, moi je suis pas mon secteur, c'est la fin de patrouille, j'y vais pas, c'est l'heure de la pause. C'est le sketch des inconnus, quoi. T'as un Superman en tenue de tolard, ça fait bizarre. «
effectivement. Je pense que ça s'arrête pas très loin dans le comics et que le 2 reprend la suite de l'histoire, je pense. Je sais pas, tiens, je serais curieux de voir où s'arrête le comics. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fini, ça tombe bien. Et bah c'était bien cool. Après, je me vois pas jouer au jeu comme ça. Juste baston, non. Il est quand même très bourrin et puis il y a trop de problèmes d'équilibrage. Mais ce mode story, ah là là, quelle tuerie. Franchement, mais tous les jeux, ça devrait être ça, quoi. Ça devrait être le mode story des jeux de baston. Tu passes par un peu tous les persos, enfin... certaines parties des persos, comme ça tu t'amuses et tout, tu changes un peu, c'est varié. Ok. Bon bah écoutez, c'était bien cool. Pour ma part, le live va se terminer. J'avais prévu 18h, 18h30 maximum. C'est parfait, n'oubliez pas ce soir 21h. On va chez... c'est chez Manu je crois, ou chez Clex, je sais plus sur laquelle chaîne on va. Pour faire la première conférence de l'E3, hein, commenté par nos deux trublions. Peut-être je ferai un petit coucou sur le Skype qu'ils ont mis en place. On verra. Moi, je m'en vais désinstaller le jeu parce que je n'y jouerai plus, hein, ça, malheureusement. Et puis peut-être le 2, je verrai si j'arrive à le faire tourner, on verra ça. Sur ce, je vous dis bon après-midi, profitez du soleil. Alors, ça, c'est chez Manu, retouche chez Manu ce soir à 21h, un petit peu avant, je pense. Bye bye!